Je vais vous poser quelques questions de précision pour pouvoir faire dissiper des insinuations, des suppositions et des déductions sur la base desquelles des questions vous ont été posées ici. D'abord, mon général, vous avez eu à parler des camionnettes, deux camionnettes à cette audience. Dans votre procès verbal de déposition, vous parlez des camions. Pouvez-vous nous faire la différence entre un camion et une camionnette? Oui. Oui, allez-y. Le camion, comme vous l'entendez, il est plus grand. Le tonnage est plus que la camionnette. Alors, ce que j'entends par camionnette, tout le monde connaissait au temps du CNDD. Ils avaient des pick-up très bas au sol. Les bancs étaient faits de façon que les agents, les militaires s'asseyaient dos à dos. C'est de ça que je veux parler, que j'appelle camionnette. Mais pourquoi avez-vous parlé des camions dans votre procès verbal de déposition? Parce que vous êtes suffisamment instruit pour ne pas pouvoir faire la différence. J'ai parlé des deux, camionnette et camion. Non, dans votre procès verbal, c'est ici, à cette audience, que vous avez parlé des camionnettes. Mais dans votre déposition, faite devant les magistrats instructeurs, vous avez parlé des camions. Ah, je suis... Dans mon procès, ce n'est pas émis camionnette. C'est écrit camion. Vous voulez que je vous donne lecture? Donc, désolé, c'est voilà. C'est très bien. Oui. Et je voudrais, sur ce que vous m'aidez, à faire aussi la différence entre une camionnette et un pick-up. Ah, la camionnette aussi prend plus que la pick-up. La pick-up, maximum 5. Donc, ça veut dire qu'une camionnette est aussi plus grande qu'un pick-up. Qu'une pick-up, oui. Très bien. Puisque ici, on a parlé des pick-up. Et vous avez été précédé par un accusé qui a parlé des pick-up. Je vais poursuivre. Alors, vous avez parlé de deux camionnettes qui sont arrivées en votre présence avec un véhicule de commandement. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Vous avez également déclaré, en réponse à l'une des questions du ministère public, que vous n'avez jamais vu M. Aboubakar Diakité Ditumba descendre de ses véhicules de commandement. Vous le confirmez? Sûr, oui. Très bien. À présent, aidez-moi. Quelle était votre position? Vous étiez à quel endroit précis lorsque ces camionnettes et le véhicule de commandement arrivaient et où ces véhicules-là ont garé? Je l'ai dit plusieurs fois. J'étais. C'est important. C'est important. J'étais en face du studio Star, oui, sur l'esplanade. Oui. Et les camions ont garé en face de la des photocopieurs. Devant le commissariat spécial. Voilà. Ah, en d'autres termes, de votre position, vous voyez sans aucune difficulté les deux camionnettes et le véhicule de commandement. Non, c'était clair. Très bien. Vous avez également déclaré que M. Aboubakar Diakité est sorti du stade avec des leaders blessés et vous avez dit que il a continué puisque en ce moment les camionnettes étaient bien visibles et le véhicule de commandement était bien visible. Est-ce que vous l'avez vu en train d'embarquer ses leaders dans ce véhicule de commandement? Non, maître, heureusement, c'est une précision.
La position des camionnettes à l'arrivée, c'est ce que je vous ai dit. Mais quand les militaires sont rentrés et qu'ils sont descendus, les camionnettes ont quitté. Les camionnettes et le véhicule de commandement ont quitté. Ils ont quitté. Ils ont quitté. C'est pour cela que quelqu'un m'a posé... Une précision de taille. Oui. Très bien. On continue. Vous confirmez-vous, vous l'avez dit ici, que M. Aboubakar Diakité Doutoumba est descendu, qu'il était presque débraillé, il portait un ceinturon, vous ne l'avez pas vu porter une arme. Vous le confirmez? Je n'ai pas dit que je l'ai vu porter un ceinturon. Je vous ai dit, je l'ai vu débraillé avec le par-dessus. Pardon, je l'ai déjà vu. Vous avez parlé des ceinturons, je crois. Et l'élément en fait foi, je l'ai écouté avant-hier, hier, et même ce matin, je l'ai écouté. Je peux répéter. Donc, non, bon, si on va à cette allure, c'est reprendre carrément. Non, je ne reprends pas, monsieur le président. Je suis en train de suivre une logique. Je ne reprends pas. Je sais ce à quoi je veux aboutir. On vous suit. Je pense que des choses ont été dites ici concernant mon client au nom des droits de la défense. Permettez-moi d'aller au bout de ma défense, monsieur le président. On vous suit, maître. Merci, monsieur le président. Ok. Alors, vous avez également déclaré, vous avez dit qu'il portait un ceinturon, il était presque débraillé. Hein? Vous pouvez après aller revoir les vidéos. Vous avez également déclaré ici que les militaires qui sont descendus de ces véhicules, que vous n'avez pas vu d'armes sur ces militaires. Vous le confirmez? J'ai déjà répondu à ça. Non, s'il vous plaît, c'est une logique. J'ai déjà répondu. Ok, d'accord. Vous l'avez déclaré ici, dans ces conditions. Et en même temps, vous avez dit que M. Moussa Tchegoro était passé avec des gardes qui étaient armés. Vous le confirmez? Il y a une question qui suit. Je ne le confirme pas. Moi, je ne vous ai pas dit qu'il était avec des gardes armés. Je dis qu'il avait un garde-corps qui portait le béret rouge armé de Péamaka. Les vous autres, non. Il dit qu'il avait des gardes, que c'était des gens qui étaient autour de lui. Sa garde, sa protection était armée. Voilà. Vos déclarations faites ici en font foi. Vous pouvez vous rétracter. C'est votre droit, mais c'est aussi le droit... Et pour nous de demander au tribunal, conformément à l'article 486, en suivant les pas du ministère public, de noter vos contradictions. Je continue. Dans ces conditions, et si des tirs de sommation ont retenti au stade, à l'intérieur du stade, vous n'étiez pas au stade, et il y a des militaires non armés, d'après vos déclarations, qui sont descendus de ces deux camionnettes et qui sont rentrés au stade. Il y a les gardes de M. Tchegoro qui étaient armés, qui sont rentrés également dans le stade. À qui peut-on imputer ces types de sommation? Est-ce aux militaires non armés ou aux gardes qui étaient armés? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Très bien, c'est extrêmement important. Commandant Nax. Vous avez déclaré ici que M. Aboubakar Diakité Doutoumba serait adressé, je le dis au conditionnel, parce qu'il n'a jamais tenu une de telles propos ici, que M. Aboubakar Diakité Doutoumba se serait adressé à ceux qui se livraient à des types de sommation et il leur aurait demandé d'arrêter et que ces derniers auraient arrêté. Vous le confirmez? Je tire ça, oui, je tire ça d'une vidéo que j'ai vue ici. Si vous voulez, je peux mettre à votre disposition. Et je continue. Hein. Est-ce que vous, en tant que témoin, et à cette barre, votre rôle consiste-t-il à dire ce que vous avez personnellement vu
et entendu au tribunal, ou bien de venir rapporter ce que vous prétendez avoir entendu ici et qui n'a jamais été tenu ici comme propos. Maître, j'ai pas de réponse. Très bien. Très bien. Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit ici que, et c'est même consigné dans votre procès verbal de déposition, que le président Dadis n'était pas content de vous, vous de la police, vous de la gendarmerie, et que vous aviez démissionné. Vous vous rappelez avoir fait cette déclaration? J'ai déjà répondu à ça. Hein? J'ai déjà répondu, maître. Très bien. Est-ce que, en parlant ainsi, êtes-vous d'accord avec moi que cela prouve à suffisance que M. Kegoro était en contact permanent avec le président au moment de ces événements? J'ai déjà répondu. Non, vous n'avez pas répondu à cette question. Si. Non. Alors, si vous voulez qu'il revienne dessus, sinon oui. C'est vrai, cette question a été posée. Ok, d'accord, je vais avancer, M. le Président. Et vous avez également dit que votre directeur, le directeur général de la police d'alors, vous avez demandé de vous mettre à la disposition du ministre Kegoro. Vous le maintenez? J'ai déjà répondu. Est-ce que vous le maintenez? J'ai déjà répondu. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez également qu'en réponse à l'une des questions du ministère public, que vous avez rappelé, et ça je suis d'accord avec vous, les règles du maintien d'ordre pour dire que le ministre Kegoro ne devrait pas se trouver au stade du 28 septembre, que ce n'était pas sa place. Vous vous rappelez? Il y a une question qui suit. J'ai déjà répondu. Très bien. Puisque vous l'avez dit ici. Alors, ne trouvez-vous pas, et cette question n'a jamais été posée, que ces instructions de votre directeur sont contraires aux règles de maintien d'ordre? Que vous-même vous avez dégagé. J'ai pas et brillamment ici. C'est une question. J'ai dit bien. Ne trouvez-vous pas que ces instructions de votre directeur sont contraires aux règles de maintien d'ordre que vous avez personnellement dégagées ici? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez qu'à la suite de ces instructions que vos hommes sur vos ordres ont eu à enlever les barricades? J'ai déjà répondu à ça ici. Très bien. Et est-ce que vous rappelez également que sur les mêmes instructions, M. Moussa Kegoro a eu à faire libérer certains manifestants qu'il avait arrêtés auparavant? C'est aussi dit ici. Et qui ont été arrêtés par vos hommes? J'ai déjà répondu, maître. Très bien. Alors, vous et vos hommes sur les lieux, en obéissant aux instructions de M. Moussa Kegoro. Camarade, n'est-ce pas la preuve que M. Moussa Kegoro était le seul qui commandait toutes les forces en présence? À vous d'apprécier. Très bien. Est-ce que vous savez que avant vous, il y a certains leaders et comme vous qui
accusait M. Aboubacar Diakité Doutoumba, qui lui faisait porter et à tort la responsabilité du massacre du 28 septembre, mais qui sont intervenus ici et qui ont dit que M. Aboubacar Diakité Doutoumba est intervenu. Il n'avait aucune arme et qu'ils ont eu la vie sauve grâce à lui. Il y a même un qui est allé plus loin en disant qu'il a évité à ces pays une guerre civile. Est-ce que vous vous rappelez, si vous suivez ces procès, de ces propos-là? Je n'ai pas de commentaire. Est-ce que vous vous rappelez, vous vous souvenez de ces propos? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Est-ce que vous saviez que cela constitue la preuve qu'avant vous, les victimes elles-mêmes sont revenues sur leur déclaration? Maître, à vous d'apprécier. Très bien. Est-ce que vous aussi, en intervenant ici, en disant ce que vous avez vu, n'est-ce pas, c'est parce qu'à un moment donné, Doutoumba avait été présenté comme le coupable tout fait. Il fallait tout dire sur lui. Il y a d'ailleurs l'un des accusés dans le box qui avait eu à dire ici qu'il ne pensait plus que Doutoumba allait venir. N'est-ce pas, vous aussi, vous vous êtes permis de raconter tout ce que vous voulez sur Doutoumba parce que vous croyez qu'il n'allait plus revenir et qu'il fallait chercher à l'abattre, à lui faire porter toute la responsabilité. La Cour appréciera. Très bien. C'est ce que nous nous retenons. Voilà. Parce que vous avez dit la vérité à cette barre, comme l'ont fait certains leaders victimes dans ces procès, comme l'ont fait la plupart des victimes qui ont comparu ici. Alors, et vous, vous étiez à l'extérieur du stade. Celui qui est à l'extérieur du stade peut témoigner de ce qui s'est passé à l'intérieur du stade. C'est possible ça? Non, maître. Très bien. Donc, et qu'est-ce qu'il faut faire de vos déclarations consignées dans votre procès verbal de déposition concernant des événements qui se sont produits à l'intérieur du stade, puisque vous dites que vous ne pouvez pas témoigner de ce qui s'est passé à l'intérieur du stade? Qu'est-ce qu'il faut en faire à présent? Monsieur le maître, je n'ai pas de directive à donner. J'ai donné ma version de faire ça. Vous dites que vous ne pouvez pas témoigner de ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc, vos déclarations-là, on ne saurait les tenir en compte. Puisque vous n'étiez pas là-bas, en tant que témoin, vous ne pouvez pas confirmer des choses que vous n'avez pas vues. Je continue. Peut-être cette question, peut-être une question à décharge, hein, en ce qui concerne la partie civile. La partie civile vous a posé tout à l'heure une question en disant que unanimement qu'il existerait un constat général selon lequel et tous les accusés, toutes les victimes et sont d'accord, s'accordent à dire que ces événements seraient survenus à 11h. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, on vous a dit ça tout à l'heure. Et que vous, vous soutenez que c'est à 13h. Vous vous rappelez quand même? Je n'entends pas. Vous oui, maître, je me souviens, oui. Très bien. Et je voudrais respectueusement rappeler que c'est vous qui avez raison. C'est à 13h. Je m'en veux pour preuve. On vous a dit que Doutoumba même aurait dit que c'est à 11h. Le PV, le procès verbal d'interrogatoire en date du 23 mars 2017, de mon commandant Aboubacar Diakité Doutoumba, il est question de 13h. De 13h, il a quitté, il a dit qu'il a quitté au camp dans les environs de 11h, mais il n'est arrivé au stade qu'à 13h. Ça, c'est à votre décharge. Et vous avez également le procès verbal d'interrogatoire du fait général Mamadou Ba Toto, qui dit la même chose. Il a dit que c'est à 13h qu'ils ont appris que ces événements malheureux sont survenus. Donc, n'est-ce pas la preuve que, en parlant de 13h, que vous ne vous êtes pas trompé? En tout cas, je ne doute pas, mais puisque la vérité revient à la cour, oui, puisqu'il y a des preuves, il y a des images, la vérité va triompher.
Très bien. Et je voudrais à présent savoir, peut-être c'est la dernière question, est-ce que vous, personnellement, parce que vous êtes là comme témoin du ministère public, et à titre, je vais dire, peut-être subsidiaire de la partie civile par rapport à l'existence des infractions. C'est ça, c'est ce qui importe, pas les déductions qu'on est en train de faire. Voilà. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été témoin de la commission d'une quelle, parce que M. Aboubakar Diakité, là, Diakité est renvoyé ici pour des faits d'assassinat, pour des faits de meurtre, pour des faits de viol, pour des faits de coups et blessures, pour des faits de non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été témoin de la commission d'une quelconque de ces infractions par M. Aboubakar Diakité à l'intérieur du stade du 28 septembre ou sur l'esplanade du stade du 28 septembre? Cher maître, avec votre respect, j'ai tout dit. J'ai fini, je n'ai pas de réponse maintenant, j'ai déjà répondu. Ok. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé.